Bonjour à tous, c'est Galax et bienvenue aujourd'hui sur FIFA pour la suite de mode l'aventure, non pas avec Alex Hunter mais avec Danny Williams. Nous sommes à Chelsea en première ligue en Angleterre, l'équipe est 4ème du classement général. Nous jouons aujourd'hui contre Watford, une équipe de 4 étoiles, contrairement à nous avons 5 étoiles, donc logiquement on est au-dessus, ils sont 10ème du général Watford. On est parti, on incarne bien sûr Williams. Alors on m'a demandé pourquoi je n'incarnais pas l'équipe, et ben en fait quand on est dans un mode aventure, c'est comme si on était en fait dans une carrière pro. Pour moi on incarne les joueurs et non pas les équipes, sinon on fait une carrière manager tout simplement. Allez on y va, c'est parti. Salut à toutes et à tous, je suis avec Pierre Ménès. Quelle chance j'ai quand même. Oui, c'est vrai que t'as de la chance. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue du coup pour ce match. Williams sur le terrain à côté de grandes stars comme Eden Hazard, Willian, Choucroutman. Bon, ok, j'arrête avec Choucroutman. Beaucoup me disent, mais arrête avec Choucroutman, ce manque de respect face à David Luiz, c'est incroyable. Luiz, d'accord. Allez, on va essayer de rester bien placé pour ce match, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on me reproche encore un petit chouïa au niveau de l'entraîneur dans le jeu, et c'est bien dommage. On va essayer de faire de bonnes passes, si possible, et de continuer gentiment ce mode l'aventure, en tout cas, qui est génial, et je ne cesserai jamais de le dire, mais je trouve vraiment que la saison 2 est vraiment meilleure que la première. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je m'éclate réellement, il y a plus de rebondissements, il se passe plus de choses. Alors, j'avais entendu quelques commentaires de personnes qui ont déjà fini le mode aventure dire que la fin de l'aventure était un peu chiante, qu'il n'y avait que des matchs, qu'il n'y avait pas de ciné, etc. Je vois pas où c'est qu'on voit ça en fait. Pour moi, honnêtement, il y a beaucoup de ciné quoi. Je veux dire, où c'est que vous remarquez qu'il n'y a pas de cinématique? Je veux dire, je comprends pas quoi. Ah putain, pourtant je pensais avoir bien fait la passe, dommage. Passe incertaine, on est à 6,2 de moyenne pour l'instant. Allez, on va essayer de construire avec les Blues, avec Chelsea et Williams. Vas-y, tu m'as vu frérot, en arrière, bien joué. Je l'ai vu. Oh putain, c'est pas passé entre les deux. C'était pas loin quand même. Hein. C'était un poil de cucu. Allez, ça a l'air compliqué de passer ici. On est en mode pro hein, pour info niveau difficulté. Voilà pour ceux qui voudraient savoir. Il y a toujours un mec devant pour nous empêcher d'avancer. Mais c'est hallucinant. Mais dégagez. Dégagez un peu. Genre passer en mode semi-pro, bah vous allez rien comprendre. D'ailleurs, ah ouais, on m'a parlé de ça aussi en commentaire. On m'a dit, mais Galax, pourquoi tu te remets pas en semi-pro? Là, c'est chiant, on s'ennuie et tout. Il a pas assez d'action, il a pas assez de buts. Mais franchement, c'est pas bien. Ne me forcez pas les mecs à repasser en mode semi-pro. Contrer, corner. Ah non, mais le gardien il la prend. Dommage. Et donc ne me forcez pas à repasser en semi-pro s'il vous plaît. Je fais les cuts, c'est pas pour rien. C'est parce que des fois il se passe pas grand chose. Parce qu'on est en pro et que la difficulté est plus difficile. Voilà, bien joué. Hop, allez mon gros. Essayez de passer, tu m'as vu, bien joué. Danny Williams la frappe. Oui, il est beau, magnifique but de Danny Williams. Superbe but. Incroyable. Allez, on se fait plaisir. Ah, je suis super content, j'aurais pas pensé de marquer d'ici. Et puis au final, je me suis dit, allez, on s'en fout, on s'en bat les steaks. La frappe. Le gardien a été surpris, on a frappé du gauche, je crois, en plus. Et le gauche, il me semble pas que c'est le bon pied hein, de Danny Williams, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Il est beau ce but. Oui, monsieur Galax. Allez, 20e minute, but de Danny Williams, qui n'était pas garanti. Hein. C'est vrai que niveau shoot, on avait un petit peu de mal avec lui. Au fur et à mesure, on augmente bien sûr ses différentes performances. C'est ça qui fait aussi le sel du truc. D'ailleurs, niveau attribut, forcément, c'est beaucoup plus... Oh, excuse, je t'ai gêné. Oh non, j'aurais pu le récupérer. Et niveau attribut, on l'améliore plus rapidement que Alex Hunter, forcément, vu qu'il n'a qu'un chapitre, hein, contrairement à Alex, qui en a 4 ou 5, 5 chapitres, je crois. Voilà, pour évoluer, pour s'entraîner, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus court du côté de Danny Williams. Et à mon avis, ça va pas durer très très longtemps. Il y a encore quelques matchs avec lui, et ce sera terminé. Et encore, je dis quelques matchs, je sais pas si c'est pas un match, deux matchs, j'en sais rien, on verra bien. Allez, vers Danny Williams, qui va accélérer Danny Williams, la frappe Danny Williams. Oh oui, pour Eden Hazard, c'est bien retombé, ah dommage, il y a eu un bon rebond. Et Fabregas, du coup, qui n'a pas pu tirer comme il l'aurait voulu. Et ça va être relancé par le gardien. Bientôt la fin de cette première période. Bon, tout va bien pour nous, grâce au but de Danny Williams. Et ce qu'il faudrait absolument, c'est éventuellement en marquer un deuxième, pour être sûr. C'est fou qu'avec Chelsea, on ne réussisse pas à marquer un second but, alors qu'on a une équipe qui a quand même une étoile de plus. C'est pas rien non plus. C'est pas rien du tout. Allez, on va vers Willian. Tu m'as vu, c'est quand tu veux. Mais fais ta passe. Il veut pas la faire. Il veut pas la faire cette foutue passe, c'est incroyable. Ah merde. J'ai 9 sur 10 à niveau moyenne, c'est bien. Allez, on envoie vers... Oula, c'est quoi cette passe foireuse, Galax? C'est quoi cette passe foireuse? Allez, vers Williams qui va enrouler. Williams qui enroule la barre. La barre transversale. Bel effort de Danny Williams. J'ai loupé de très très peu le cadre. C'était extrêmement chaud. Et Williams qui a pas l'air content de ton action là, c'est vrai que j'aurais pu la rentrer, mais ça reste le buteur bien sûr de cette première période, 4 tirs, 1 but. Ça aurait pu être mieux au niveau ratio tir converti. D'ailleurs, au niveau du ratio tir converti, on fera bientôt le mode carrière pro, hein, je vous rappelle, comme la saison dernière, comme en 2017, enfin, comme tout le reste de l'année 2017, et on recommencera cette année, bien sûr.
Donc on aura d'autres choses à gérer effectivement que juste marquer les buts, faire des passes, etc. Faudra, il y aura les objectifs du manager. Allez, oula, putain comme il lui a piqué la balle. Oh mec, calmos. Attention, action dangereuse pour Watford. C'est bon, c'est vite récupéré par la défense. Hein. C'est vite récupéré. T'inquiète pas que ça réfléchit vite. Oh oui, bien joué cette passe en profondeur pour Denny Williams. Denny Williams qui va se retourner. Denny Williams qui se retourne. Et Williams peut-être. Denny Williams. Oh, penalty. What the fuck. Allez, oui, bien joué. Peut-être une passe décisive pour Eden Hazard. Il se retourne. Danny Williams, la frappe de Danny Williams. Repoussé par le gardien, dommage. J'ai trop tiré sur le gardien. Alors, Hazard, il avait plutôt bien joué. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé qu'il aurait pu me la refaire. J'avoue, j'avais pas pensé qu'il me la refasse. Allez, le centre maintenant. Oh, ça va être récupéré par le défenseur, dommage. Pourtant, on avait une occasion là. Il n'y a pas eu une petite mimine là. De toute façon, que ça rebondit un petit peu. Allez, Richard. Richard à l'action, il se retourne. Holbass. C'est pas Holbass, c'est Holbass. Allez, un éventuel centre. Et centre loupé. Je le sentais en plus parce qu'il allait trop loin. Je me suis dit, il va foirer complètement son centre. Effectivement, elle est sortie de Hazard. Et tu m'as vu, frérot. Bien joué sur le côté. On va essayer de passer. Ah, on n'est pas passé. Le défenseur qui a réussi à nous arrêter, c'est incroyable. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'es dans la merde, hein? La frappe de Williams. Dommage. J'aurais dû faire un enroulé. Pourquoi je l'ai pas enroulé, ce du ballon? J'aurais dû l'enrouler, effectivement. Allez, Williams, peut-être pour une tête. Loupé. Et voilà, le match se termine sur un but à zéro. On n'a pas réussi à en mettre plus. Bon, on est déjà content quand même de ce match. Il ne s'est pas passé trop grand-chose suite au but de Williams. Il y a eu quelques tentatives de la part de Watford, mais ça n'a jamais été très loin et très compliqué. Donc, ma foi, bah tant mieux. Voilà, un match qui se sera vite terminé. Et à mon avis, je ne vous aurais pas laissé beaucoup de minutes du match, hein, tellement que c'était un peu... Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Si tire un but, alors certes, moi j'ai un peu tiré au cage, mais un seul but, franchement, c'est light. Hein, niveau ratio, encore une fois, on y revient. Ce fameux ratio de tir converti, il n'est pas foufou. Allez, ok, voyons voir la suite. Donc là, mine de rien, on s'est bien distingué. Nous sommes le buteur du match. C'est assez intéressant pour Williams, qui va donc, à mon avis, augmenter un petit peu en termes de valeur transfert, de notes et ainsi de suite. Allez, c'est parti pour un match contre Stoke City. Et remarquez que niveau points, Chelsea est 5ème de ce classement en première ligue. Et mine de rien, on est encore très loin de la première place. Mais que se passe-t-il? Allez, on y va pour ce nouveau match. Aujourd'hui, beaucoup de matchs au programme. Je ne sais pas du tout si on aura justement des cinématiques ou pas du tout. En tout cas, le premier match aura été très court. Celui-là, on va voir. Alors, marquer un but sur une passe décisive de Dell. Bah, écoutez, il faudrait déjà qu'il soit présent. Bon, logiquement, il y est, mais c'est vrai que je le remarque pas trop. Je sais pas trop la différence avec les autres. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau match de championnat. On espère évidemment voir de belles choses. Et bien sûr qu'on espère voir des belles choses. Allez, allons-y. Williams sur le terrain, il fait un temps de chien. On est reparti pour le bonheur des supporters des Blues. Eh bah écoutez, c'est rare mine de rien qu'il fait un temps comme ça dans le mode aventure. En général, il fait un joli temps. Je crois même que c'est la première fois que je joue un match sous la flotte dans ce mode aventure, non? Ou alors je suis complètement fou. Et il faut bien sûr que ce soit en Angleterre, oh le cliché. Bon, c'est un cliché, oui ou non, parce que c'est la vérité, hein. Il fait plus mauvais en Angleterre. Hein. On se croirait en Bretagne, quoi. Allez, c'est parti. Oh là, bien joué. Oh, il est passé. Hazard tout seul, non? La frappe? Eh ben oui, Hazard! Ben voilà! Et la passe décisive en plus! Oh putain, j'avais pas capté! Passe décisive! Oui, monsieur! Allez, le but d'Eden Hazard, ça a pas traîné effectivement en ce début de match. Ce héros, quoi! Non, mais ce héros, il allait tout seul au but! Te fait une frappe enroulée des familles! Rien à dire! Regardez-moi ça, en plus, il l'a pris rapidement, quoi! Il a dribblé tout le monde! Bim, accélération! Frappe enroulée! Qu'est-ce que tu veux dire? Il est trop fort! Bien joué Eden, il n'a rien laissé au hasard, il faut que j'arrête de faire cette blague de merde à chaque fois. Ah, je suis trop content, bon voilà, on est déjà hors d'affaires, entre guillemets, dès le début du match, et en plus une passe décisive. Et d'ailleurs, tiens, on m'avait demandé énormément pourquoi qu'avec Alex Hunter, tu n'as pas choisi Antoine Griezmann. Alors, vous l'avez vu pourquoi? Parce que Griezmann, et je vous l'ai dit, parce que Griezmann, nous allions être passeurs si on choisissait Griezmann, alors on aurait pu le prendre, hein. Mais déjà, 2-1, ça aurait été l'évidence. Je pense que tout le monde aurait appris Griezmann dans sa série. Bref, ça aurait été pour moi l'évidence totale pour un Français de choisir Griezmann. Du coup, j'ai pas voulu le prendre pour contrer justement ce truc-là de prendre Griezmann. Je n'aime pas les évidences, en fait. Donc voilà, j'ai déjà pris le PSG, ce qui était déjà la plus grosse évidence. Oui, d'accord. Donc bon, c'est bien être chauvin, mais faut quand même pas déconner. Le joueur que j'ai choisi était très intéressant, très... Oh! Ah bah écoutez... But en finesse, effectivement, la surprise, Stoke City,
un partout, égalisation. Ils m'ont fait mal là-dessus. J'étais en train de causer, j'étais pas concentré. C'est un match extrêmement et voilà. Serré, et le grand Babel là, qui nous a collé un but. Quatch. Joli. Voilà, incroyable. Allez, Danny Williams, ça se retourne Danny Williams. Oh là, allez, on l'a vu. Ah, j'ai tenté la talonnade, ça passe pas, dommage. Ah, que des passes loupées, mais en même temps, je peux pas y faire grand chose. Hein. C'est les mecs qui récupèrent rien et qui courent pas. Hein. Eh oui, moi je suis. Ce n'est pas de ma faute, moi je joue tout à fait bien. N'est-ce pas? Oh, mais les mecs, en plus, si vous vous gênez entre vous. Attention, le centre. Le gardien qui réussit à le choper. T'as vu l'autre comme il avait fait? Youhou! Tête plongeante. Vas-y, Bob l'éponge. Excellent. Allez, fin de cette première période, mesdames, messieurs. Bon, on s'en est plutôt bien sorti. Merci encore une fois, Hazard. Bon, on peut dire merci évidemment à Danny Williams également pour sa passe décisive. Mais vraiment, merci Hazard parce que tu nous sauves un petit peu pour l'instant. Un partout, on n'a pas gagné le match pourtant. Donc rien n'est fini, on va devoir concrétiser bien sûr nos actions maintenant. Ça va être vraiment l'objectif de réussir à prendre avantage dans ce match. Parce que ce n'est pas fait évidemment. Danny Williams, je vais me faire avoir si je fais comme ça. Danny Williams, qui essaie de passer Danny Williams, la passe de Danny. Oh putain, la frappe. Ah mais j'avais le ballon. J'ai pas vu que j'avais le ballon. Ah j'avais taclé. Je l'avais pas vu. J'ai fait une crise d'épilepsie en attendant. MDR. Williams la frappe. De toute façon que je tente des frappes de loin, comme ça peut passer. William la frappe. Dans les bras du gardien, c'est une bonne passe, 8,2 de moyenne, on passe au-dessus des 8. Williams qui frappe. Et c'est encore repoussé par le gardien. Putain, mais le nombre de frappes qu'on a à notre actif. Ils ont du mal, Danny Williams qui récupère la frappe de Williams enchaînée. Ah, c'est au-dessus. Ouais, Danny Williams, la frappe de Williams encore et repoussé comme d'habitude. Essayez de jouer avec Williams. Le centre de Williams peut-être vers le gardien. Oh la barre, le poteau du moins, le poteau. Tu vois comme quoi on est plus. On pique un peu plus que les autres, mine de rien. Ah oui, oui, la frappe. Et le but. Ça y est, Chelsea qui mène au score. 2-1. Impeccable le but des Blues. Et ce n'est pas Williams qui l'a marqué. Qui l'a marqué malgré ses nombreuses frappes depuis tout à l'heure. C'est Pedro, le remplaçant. Incroyable. De Eden Hazard, il me semble en plus qu'il a remplacé Eden. Eh bien écoutez, ça aurait été l'homme au même poste qui aura marqué les deux buts aujourd'hui pour les Blues. C'est fou. Allez, 90e minute en plus, on gagne ce match. Dernière minute. Ça, c'est énorme. Allez, victoire des Blues. Danny Williams a eu tellement d'occasions pour le marquer. Et on n'a rien su mettre au fond. C'est fou. Mais on remercie Pedro parce que franchement, c'est lui qui nous a sauvés aujourd'hui. C'est lui qui a fait que nous ne sommes pas sur un match nul. Impec bien. Bon, du coup 3 points supplémentaires et bravo Eden, forcément un tir, un but, il a été parfait, il a vraiment été parfait et moi le joueur que je retiens le plus, bah, c'est moi quand même, le mec qui a pas le bourrichon, c'est Danny Williams, parce qu'honnêtement, le nombre de tirs qu'on a fait, on n'a pas mis un au fond, franchement fallait le faire, hein. Fallait le faire de ne pas en mettre un au fond, le nombre de tirs était incroyable, vraiment. Ok, 9,1 pour le match, 75 de général, ça y est, on a augmenté d'un point, super. Niveau attribut, je vous l'ai pas dit, mais on avait mis un autre attribut, je vous le montrerai après du coup quand on reviendra au menu. Voilà, reviens au menu, et je vous montre du coup l'attribut qu'on avait mis juste avant et que vous avez pas montré. C'est donc la caractéristique, il me semble, affiner et courber vos tirs frappés à l'extérieur du pied pour marquer des buts mémorables. Voilà, bon, il se trouve que j'ai déjà marqué de beaux buts, hein, donc du coup j'avais pas spécialement besoin de ça. Je suis dedans! Félicitations, Danny, c'est mérité. Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Pas facile du tout. T'as cru que ça le serait? Honnêtement, j'ai toujours été le meilleur sur le terrain. Depuis que je suis petit, j'ai jamais eu à bosser autant. Écoute, tout le monde dans le vestiaire a toujours été le meilleur. C'est le cas dans tous les clubs. Aujourd'hui, t'es avec les meilleurs des meilleurs. Ben, disons que j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai. Dans tous les cas, maintenant, Williams se trouve à nouveau à sa place légitime, hein ? Putain, le mec, il se la pète dur. J'adore. Franchement, il est énorme, lui. Ok, bah écoutez, nous sommes donc à notre place. Prochain match, ce sera contre Arsenal, apparemment. Oh, énorme FL Cup. Remporter le FL Cup avec Danny, est-ce que c'est la finale ? Je ne sais pas. On va voir, du coup. En tout cas, c'est important vu que c'est contre les Gunners. C'est génial ça. Allez, un temps clair ce 24 juillet 2018 à 16h. Impeccable. On y va, bien sûr, qu'on incarne Williams. Est-ce que c'est bien sûr Arsenal? C'est une équipe 5 étoiles.
Rappelle des souvenirs. C'est vrai, Toro. C'est vrai. Eh ben, vous devez être vraiment désespérés, les gars. Vous avez trouvé personne d'autre que ce bouffon pour l'attaque ? Hein ? Vous avez entendu quelque chose ? Qui voilà ? Alors comme ça, t'es en première ligue, Williams ? Profites-en, ça va pas durer. Ils vont te virer dès qu'ils ont trouvé un vrai joueur. Regardez qui est là, notre petit transfuge. Toujours prêt à cancaner comme un vilain petit canard. Coin, coin, coin. Rendez-vous sur le terrain, Walker. Carrément. Ah, il a pas changé, hein, ce Garrett. Incroyable. Bien sûr, l'ami d'enfance également. Enfin, l'ami d'enfance, le seul ami d'enfance qu'on connaît dans ce mode aventure. De l'héros principal de Alex. On y est, Pierre, à la finale de la League Cup. C'est évidemment un événement en Angleterre. Et il faut dire que le contexte est un petit peu particulier. Ah, les deux équipes se connaissent bien. Il y a même un petit contentieux entre elles depuis la saison dernière. Il va y avoir pas mal de contacts, à mon avis. Ça va nous permettre de voir Williams contre Walker. Et nous sommes bien en finale de l'EFL Cup. Ça, c'est génial. Et bien, écoutez, c'est parti. Ce duel aujourd'hui entre Garrett Walker et Danny Williams. Ah, on a hâte de le voir. Et donc, nous sommes à Wembley. Stade mythique, bien sûr. Pour cette finale de l'EFL Cup. Ah, je suis très content parce que finalement, voilà, c'est très très court. Et c'est bien. C'est ce qu'il faut avec Danny. Parce qu'à la base, c'est quand même l'histoire d'Alex. Et pas de Danny Williams. Donc, non, je trouve que c'est bien géré de ce côté-là. Et ça tourne bien côté de Chelsea, là, les gars. Ça tourne bien. Oh! Et ben voilà, Williams, William, directement. Superbe passe décisive, ça fait plaisir. Là, franchement, j'aurais pas cru marquer aussi rapidement, mais faut en profiter tant qu'on est en forme. Allons-y, fonçons. Magnifique, 1-0 pour Chelsea. Et là, les Gunners et Walker doivent se dire « Ah, oh, mon Dieu, j'aurais fait de rester au Texas. » Je suis très content. Regardez-moi ça, le centre pour William, parfait, le petit trou de souris. C'est un but qu'on a déjà marqué une fois exactement de la même manière, à peu près. Et donc, déjà une passe décisive pour nous. Et un but pour William. William, c'est pas souvent qu'il marque, donc c'est cool. Allez, déjà un 8 sur 10. C'est parti. C'est pas Garrett Walker, ça, il me semble que je crois reconnaître Garrett. Allez, directement. Oh là là, quelle passe! Incroyable. Tu l'as vu, Williams! Oh là là, on a failli marquer une seconde fois direct. Ça aurait pu être beau, ce duo William-Williams. C'est le duo WW. C'est ça, en gros. Oh, la tête! Repoussé par le gardien, je crois. Il me semble que la tête de Schroutman repoussée par le gardien. Ah non, il est en sortie de but, il a juste loupé le cadre. Dommage. Tu vois, il est vite repassé par le gardien, il a senti Williams dans son dos et s'est dit « Oh là là, mon Dieu !» Que se passe-t-il? Allez, on est reparti. Garrett Walker. On le reconnaît bien, Garrett Walker. Il est tout petit. Le tout petit vilain petit canard. Allez, Cazorla, Sandy Cazorla. Mesut Ozil. Mesut Ozil. Qui garde le ballon et il a tort. Sandy Cazorla. Montréal. Ozil. Ozil qui se fait prendre le ballon, effectivement. Et c'est envoyé pour Williams. On va vite envoyer à gauche. C'est parti, on y va, mon grand. Ma vie en profondeur. Aiden là qui a mal joué. Aiden, il aurait pu me la faire beaucoup plus rapidement. On tente de passer là. Attends, je vais essayer de passer. Du coup, c'est compliqué. On essaie de passer entre tous les défenseurs. Williams qui passe, la frappe de Williams. Quelle superbe course. J'ai réussi à dribbler toute la défense. Et Petrosec qui réussit effectivement à repousser cette balle. Bon, ce match va être incroyable. Je le sens, ce match. La tête de Williams. Et pour l'instant, avec Chelsea, on est à fond. Hein. Elles sont déconnées là. On est bien parti. Je sens qu'on va leur mettre une tollée. Ça va être fou. La folie. Allez, Williams qui va récupérer. Williams qui va essayer de frapper. J'ai pas eu le temps. On y va. Oh, magnifique. Quelle feinte incroyable. La frappe de Williams maintenant directement. Et c'est effectivement trop puissant. Mais c'est bien essayé de la part de Danny Williams. Allez, Williams. On va vers William. Allez, pour Williams. Peut-être en profondeur. Bien joué. Allez, William. Je l'ai vu. William, la frappe. Et ce duo est incroyable. Le duo WW. Incroyable. Allez. Shoot direct. Tu m'as vu, Williams, la frappe de Williams, ça va être un corner. What? J'ai perdu 0,4 au niveau de la note. Eh ben si, il y a exactement les mêmes bugs que dans FIFA 17. Pourtant, c'était excellent ce que je t'ai fait. Williams, la tête. Oh, sur le gardien. Mauvais tir. Eh ben tu vois, on a récupéré la note et pourtant, mauvais tir. C'est drôle, hein. Allez, fin de cette première période, du coup. On a un bon 8 sur 10 tout de même. Et pour l'instant, la finale est à l'avantage des Blues. Les Gunners doivent absolument marquer un but pour tenter de revenir au score. Et c'est pas fait, c'est pas gagné. Danny Williams, pour l'instant, l'un des deux héros du jour.
héros bien sûr, c'est WWE Willian et Williams. Oh putain! Oh là, il y a faute aussi! Aïe aïe aïe, attention! Danny Williams, la faute par derrière, le retard et carton jaune! Voilà, carton jaune pour Danny Williams, 60ème minute. Mon premier carton avec Danny Williams. Et je ne sais même pas si j'en ai déjà eu un avec Alex Hunter. Le mode de l'aventure. 7-6. Ah, marquer un but. Faut que je marque un but et que j'augmente un peu ma note. Ok. Faut que j'ai 7-7. Il faut que je marque un but, du coup, avant la fin du match. Dans cette finale. Ce serait pas mal. Oh, la frappe. J'ai eu peur. J'ai eu peur cette frappe de Mesut Ozil. Je me suis dit, oh, ils vont revenir les Saligo. C'est peut-être prévu dans le scénario du match. Alors que pas du tout. C'était pas prévu, hein. Je vous le dis, je pense pas. Willian qui tente de garder la balle. Willian qui passe en arrière. On repasse sur Danny Williams. La passe ici, Danny Williams qui récupère la frappe. Danny Williams, c'est le but. Incroyable, superbe but. Oh, la jeu d'ab. La jeu d'ab. Allez, dame, mon gars. Eh non, j'ai loupé la célébration. C'est pas grave. Magnifique. But de Danny Williams en finale de l'FL Cup. C'était ce qu'on voulait voir. Oui. Les supporters sont heureux. Et regardez-moi cette magnifique frappe. On a réussi à s'imposer. Frappe du droit, hein, c'est notre bon pied. Bien cadré. Frappe puissante, 70ème minute. Et Hazard qui ressort encore une fois, remplacé par Pedro. Victoire pour Danny Williams. Ça, c'est vraiment génial. On est heureux là, on est content. Gareth Walker vers Mesut Ozil. Récupéré par Chelsea. Et voilà, fin du match, fin du game, on a gagné. Le vainqueur de la League Cup, Danny Williams, qui est tout sourire évidemment avec tous ses coéquipiers. Il a voulu cette coupe et c'est chose faite. L'objectif a été atteint, les joueurs peuvent savourer. Ils auront au moins remporté un titre cette saison, c'est déjà bien. Et oui, victoire de Chelsea, Danny Williams et ses collègues. Alors oui, il est arrogant, mais il est attachant. Et surtout, il joue mieux. Regardez-moi cette joie d'équipe. Incroyable. Alors, je pense pas qu'on va se remater la coupe, hein, parce qu'on connaît. En plus, avec les commentaires de Pierre Ménès en disant « Ouais, c'est pas la coupe du monde, quand même, tout ça, on s'en passe bien. » La petite cérémonie. Regardez-moi ça, on est content, petite cérémonie. Ouais, on sent que... Arrête de demander. Il fait le geste. Pardon, excusez-moi. Regardez-moi cette belle coupe. Et voilà, c'est pas la finale de la Coupe du Monde. Mais fermez-la. Franchement, tu vois, et je passe la remise de la coupe juste pour les commentateurs parce qu'ils me débectent. Jure. Ah, génial, on a gagné en tout cas, on est content. Bon, on connaît, hein, la remise des coupes, hein. C'est bon. Hein. Voilà. Ouais. Bien joué, Williams. Je crois qu'aujourd'hui, tu as bien mûri en tant que joueur. Merci, boss. Je te prends dans mon équipe, quand tu veux. T'as été un peu court, Walker. Merci, Walker. Pas de bol. T'as été un peu court. Alors là, franchement, je vais jouer arrogant parce qu'il m'a énervé. T'as perdu, on dirait. Hein, Walker? Ça te change pas trop, à vrai dire, hein? Sympa. C'est très élégant, Williams. On récolte ce que l'on sème, mon vieux. Avouez, il le méritait bien quand même. Comme il nous a parlé avant le match, j'ai pas apprécié. Allez, super, je suis super content, les amis. On a gagné 76 de général avec Danny Williams. 2 points d'attribut. Est-ce qu'on aura d'autres matchs avec lui? Je ne sais pas du tout. On va déjà attribuer ceci. Apparemment, il n'y a pas d'autres attributs. Bon, alors peut-être qu'on peut pas aller plus loin avec Williams dans ce mode d'aventure. On va voir. Ah, voilà, chapitre 5, contre-temps terminé. Bah voilà, effectivement, on a terminé avec Danny Williams. Marqué un but sur une passe décisive de Dell. On n'a pas réussi ça par contre. Oh le con! Ok, être titulaire dans un match de Première Ligue avec Danny, c'est bon. Et remporter le FL Cup, c'est bon. Bah voilà, écoutez, on a fini le chapitre 5. Je suis super content. Du coup, les amis, on se retrouvera la prochaine fois, les amis, pour le début du chapitre 6. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. A très bientôt, vive jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde!